évidemment plein de conseils. J'ai envie de te suivre aujourd'hui, cher David. Et donc, eh ben, je vais faire ça et mettre les couvertures au fur et à mesure. Qu'as-tu amené avec toi ce soir Alors, dans la boîte? je vais commencer par vous proposer une trilogie parce que c'est l'été et que l'été, bah, on a le temps, hein, la plage, la montagne, les campings. Donc, j'ai décidé de vous proposer cette trilogie d'Henry Lovenbruck, dont le premier tome s'appelle Le Loup des Cordeliers. Ensuite, vous plongerez avec délice dans le mystère de la main rouge et vous terminerez avec le plus récent sorti qui est L'assassin de la rue Voltaire. Voilà. Donc, comme vous le comprenez, on est sur du thriller historique. Pour ceux qui ne connaissent pas Henry Lovenbruck, c'est un auteur qui a déjà fait beaucoup de romans historiques, qui a fait beaucoup de thrillers, qui avait fait un bouquin qui est juste sublime, dont il faudra que je vous parle un jour, qui s'appelle Nous rêvions juste de liberté. Et là, il est revenu à ses amours, c'est-à-dire le thriller historique. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, le thriller historique. L'avantage de cette trilogie par rapport à d'autres, c'est que, en fait, l'intrigue est complètement différente d'un roman à l'autre. Je m'explique. Sur ce premier volume, on va assister aux prémices. David, je t'interromps juste parce que le Oui, dis-moi. premier, sauf, c'est le loup des cordeliers, je Oh là crois. là là là, tu fais bien, mon ami, tu fais Alors bien. Ah, j'ai je ne peur le que les vois pas. gens commencent par le 2 et puis Non, nous non. envoient des re... Il faut bien commencer par le loup des Le cordeliers. loup des cordeliers en premier, tome Tout à 1. fait. Donc, on est sur un thriller au relent révolutionnaire. Donc, ça démarre en juin-juillet 1789. Hein. Donc, on est vraiment sur du roman historique. Henri Lovenbruck va nous conter donc les prémices de la Révolution française. Et à travers cette Révolution française, évidemment, il va y avoir ce loup des cordeliers qui est une sorte de justicier très sauvage, qui hante les nuits de Paris pendant la Révolution pour pourfendre les personnes qui s'en prendraient aux femmes. Donc, très, très, très bien. Vous allez retrouver là-dedans, excusez-moi, hein, vous allez retrouver là-dedans des personnages historiques. Donc, vous allez être aux côtés de Camille Desmoulins, de Danton, de Marat, de Robespierre. Mais le personnage principal s'appelle Gabriel Joly. C'est un jeune provincial qui monte à Paris pour découvrir la vie, eh oui, et qui a pour ambition de devenir journaliste. Et Vénard, bah, il tombe en plein début de révolution, donc il va avoir plein de choses à raconter. Donc là, on est sur un petit peu un roman qui va raconter la révolution de l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que ce bouquin est sorti au moment des Gilets jaunes et que l'auteur a avoué vraiment s'être inspiré de ça pour traiter la révolution. Et on voit plein de parallèles, parce que c'est un roman qui est très moderne, et on voit plein de parallèles avec ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes et la Révolution française, dans une moindre mesure évidemment pour les Gilets jaunes, mais avec les nasses de la police, qu'il y avait déjà les policiers et les manifestants qui se couraient à travers les rues. C'est là que démarre ce qu'on appelle maintenant les fake news. Et ben, il faut savoir qu'à l'époque 1789, on était sur des fausses nouvelles qui se répandaient dans tout Paris. Évidemment, pour raconter les choses qui intéressaient certaines personnes pour tendre vers la révolution. Le deuxième roman, lui, va être un roman complètement d'aventure à la Dumas. Donc, on change un petit peu de choses. Là, on est au cœur de la révolution. Là, on rentre dans le roman d'aventure. Évidemment, ici, sur le premier, Le Loup des Cordeliers. On va avoir à cœur de savoir qui est le loup des cordeliers. Hein. C'est tout ce qui noue à l'intrigue. C'est évidemment pas juste un roman historique. Gabriel Joly va enquêter pour découvrir quel est ce mystérieux assassin. Il le découvre et ensuite, il se lance à sa poursuite dans le mystère de la main rouge. Et là, l'auteur, pour le coup, c'est pour ça que je vous dis que les romans sont tous très différents les uns des autres. Et là, on part sur du Dumas, c'est-à-dire les folles poursuites, le cap et épée. On voyage à travers la France. On va enquêter avec les pirates. Dans les... Tu es de retour. On va C'est enquêter donc avec les... Kiko est en train de s'amuser Avec les avec le PC. pirates dans les Il Maquis fait le Corse. pire. Et on va être confronté donc à une société secrète qui est la main rouge, d'où le mystère de la main rouge. Il est fort cet auteur, tout est là. Et donc on va être embringué. En plus, pour celui-là, pour vraiment rendre hommage à Dumas, on a des gravures à l'intérieur du bouquin qui sont juste magnifiques. Je vais vous en montrer une ou deux. Hop là, je vous trouve ça. Hop. Évidemment, j'aurais dû mettre un petit marque-page parce que c'est toujours ce moment où on ne les trouve pas. Voilà.
Excusez-moi. Pas de souci. Bon. Et ce sont des illustrations réalisées par, pour l'occasion ou des choses de l'époque, On voit les bâtiments de l'époque, mais on voit aussi les personnages historiques du moment. Voilà. J'aurais jamais dû vous le dire que je voulais vous montrer des gravures sans avoir mis de marque-page, évidemment. Erreur de débutant, voilà. Donc, on est vraiment projeté parce qu'évidemment, les gravures correspondent à l'histoire qui est racontée à l'intérieur. Et on est vraiment projeté, comme quand on était gamin, hein, les livres qu'on lisait gamin, souvent, les bouquins un peu classiques, il y avait toujours des petites images pour l'illustrer. Et on est vraiment dans du délice à la Dumas. On est full aventure, hein, mais avec un prisme moderne. Hein, c'est toujours la marque et la patte. On a l'impression des fois qu'on se retrouve dans notre époque, projeté dans le passé. Et là, on va suivre cette traque du loup des Cordeliers. C'est vraiment formidable, c'est épatant. Et le troisième, qui est encore une fois complètement différent, on revient à Paris et on revient cette fois-ci dans la Comédie française avec L'Assassin de la rue Voltaire et qui était sous-titré Meurtre à la Comédie française. Et là, après la Révolution, après le roman d'aventure, eh ben on est dans un wood unit à la Agatha Christie. Il y a donc une série de meurtres qui est perpétrée à la Comédie française. Tout le monde, là, on est sur un huis clos. Après avoir eu les grands espaces du mystère de la main rouge, là, on se retrouve enfermé avec Délice dans la Comédie française. Et là, donc, il y a une série de meurtres, tous plus horribles les uns que les autres. Et Gabriel Joly, qui a pris du grade, va enquêter, évidemment, pour découvrir quel est l'assassin. Et alors, il y a un jeu de pistes, des bouleversements, des rebondissements. C'est juste passionnant. Et c'est ça qui est bien avec cette trilogie. Contrairement à d'autres trilogies où on va commencer l'intrigue ici, puis la suivre dans le deuxième et dans le troisième, là, pas du tout. Chaque roman est une épopée complètement différente à lui tout seul. Et on peut les lire de manière indépendante alors, David ? Comment ? On peut les lire de manière complètement indépendante ou il faut quand même aller dans l'ordre pour... Alors, le troisième, tu peux le lire, à mon sens, complètement de manière indépendante, L'Assassin de la rue Voltaire. Là, on est vraiment sur du Houdinit. La Révolution, elle est vraiment en fond par rapport à celui-ci. Je ne dis pas de bêtises. Oui, celui-ci. C'est le problème quand tu fais une trilogie. Il faut avoir le bon numéro quand tu en parles. Donc, contrairement au Loup des Cordeliers, qui lui est vraiment au plus proche de la Révolution française, de la prise de la Bastille. On se promène avec Mirabeau, Lafayette. Enfin, c'est vraiment épatant. Et là, tu vois, celui-ci, si tu n'as pas lu les deux premiers, c'est vraiment pas un souci. Alors que le Loup et le mystère de la main rouge, pour moi, ils se répondent, puisque ici, tu découvres qui est l'assassin, et ensuite, tu vas pour le poursuivre. Donc, vraiment, moi, je vous conseille évidemment de commencer par le premier, parce que vous allez passer un moment incroyable. Vous êtes happé, aspiré dans la Révolution française, et l'auteur s'est amusé en plus à reprendre, vous verrez, je vous laisserai le découvrir vous-même, une phrase de François Hollande, qui met dans la bouche de quelqu'un d'autre, d'un autre personnage historique célèbre, et on se dit, putain, on y est. C'est vraiment incroyable. Question aussi, est-ce qu'il faut s'y connaître dans l'histoire de France notamment pour se retrouver dans le livre parce que ça fait toujours peur parfois où il y a des touches historiques en se disant est-ce que je vais être largué ou pas ? Tu es vraiment pris par la main par l'auteur. Moi, je ne me connaissais pas forcément en tout cas pas à ce niveau de détail. On connaît tous la prise de la Bastille. Et en fait, ce qui est génial, c'est que pour ta culture personnelle, tu apprends plein de trucs sur la Révolution. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Il y a plein de petits détails. Le quartier des Cordeliers, hein, dont le livre s'inspire, est vraiment un quartier qui a existé dans Paris, qui était vraiment le club central où se réunissaient Camille Desmoulins, Danton, non pas pour fomenter une révolution, mais en tout cas pour donner voix et corps à leurs revendications. Et c'est là que tu apprends que Camille Desmoulins, en fait, était bègue, alors que c'était un des plus grands orateurs de la Révolution française, mais en fait, il était bègue. Et dès qu'il parlait en public, contrairement à moi, il ne bégayait plus. Ça va encore, tu sais. Bonsoir, Vibration littéraire. Merci beaucoup pour le lurk. Ça me fait plaisir. Un petit mot sur l'auteur aussi. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais peut-être que les gens ne le connaissent pas. Donc, je me dis, que dirait-on à quelqu'un qui ne le connaît pas ? Eh bien, qu'il faut lire de Lovenbrück. En fait, Lovenbrück, chacun de ses bouquins, c'est vraiment une vraie aventure. Il part dans des endroits très différents. Il avait commencé, en tout cas, il s'est fait connaître par quelque chose qui tourne autour de la fantasy, qui s'appelle la Moira, où là, on était vraiment dans un univers fantasy.
Et ensuite, il a été connu pour ses polars, pour ses romans historiques type Les Cathédrales du Vide, et surtout, qui est un grand, grand coup de cœur des lecteurs, et peut-être que certains des tweetos qui nous suivent l'ont lu. Pour moi, hein, son chef-d'œuvre, et j'en reparlerai sûrement une autre fois. Ça commence par nous. Ouais, nous rêvions juste de liberté, oui. Qui suit un groupe de motards, et qui est juste, comme son titre l'indique, une ode à la liberté qui est incroyable, surtout de nos jours où tout devient un peu plus étriqué. Se plonger dans ce roman, c'est avoir le souffle de l'aventure. Voilà. Et là, donc, ces dernières parutions, c'est cette trilogie autour de la Révolution. C'est vraiment écrit à la Dumas, on est sur le roman d'aventure, il y a un souffle épique. Vraiment, c'est juste de la... Bref, c'est que du bonheur. Que du bonheur. J'ai un exercice pour toi, si t'as envie. Ouais. Chez XO, nous dit Fredo 4 de Couve, la minute TikTok, t'es même pas obligé de faire une minute pile, mais si tu devais dire 2-3 phrases sur la trilogie, pour dire aux gens ce que c'est, s'ils doivent y aller, pourquoi, tu dirais quoi? C'est la minute TikTok, puisqu'on est dans ce monde horrible. On est dans ce monde horrible où il faut tout résumer. Et je me disais, comment dirais-je? On va dire que c'est trilogie, c'est quoi? On va dire que cette trilogie, c'est trois formidables thrillers avec à chaque fois un point de vue et une approche différente sur la façon dont le livre est écrit, puisque comme je l'ai dit, hein, on va parler du roman historique avec du mystère, on va chercher qui est ce mystérieux loup des Cordeliers dans le premier. Ensuite, là, c'est le souffle. Tu pars à travers toute la France pour arriver jusqu'au maquis corse. Donc là, tu vas être confronté à des pirates. Tu vas avoir... Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des sociétés secrètes. On est vraiment dans le roman d'aventure à la Dumas, qui conspire, contre lequel le héros va se battre. Et on termine ensuite par ce fameux huis clos qui se passe à la Comédie française. Donc, et pareil, à chaque fois, il y a plein de personnages historiques dedans, hein, à qui il fait jouer plus ou moins un rôle. Et pareil, donc tu es confronté à des vrais comédiens qui ont existé de la Comédie française de l'époque, avec d'autres qui ne les sont pas. En général, ceux qui sont assassinés, c'est mon petit spoil, forcément. Et c'est passionnant, c'est-à-dire que la force de la plume de Löwenbrück, c'est qu'une fois que tu commences à lire les premières pages, il te happe sur un vrai page-turner. Et honnêtement, pour ceux qui ont peur des romans historiques, parce que c'est souvent très pompeux, parfois un peu compliqué peut-être, là pas du tout. Hein. Là, il s'avère que ça se passe en 1789, mais l'écriture serait peu ou prou la même si ça se passait de nos jours. Sauf dans le tome 2, où alors là, il l'a joué à la Dumas. Et là, on n'est pas sur un roman historique que je qualifiais de pompeux, mais t'es sur du Dumas, donc avec des envolées lyriques dans l'écriture, c'est juste phénoménal. Voilà, pour la musique. Phénoménal. Et c'est vraiment TikTok. Très, très accessible. Hein. C'est pas les romans historiques. On n'est pas chez Alain Decaux, même si c'est bon, très bien Alain Decaux. Pour les c'est plus vieux d'entre nous, d'ailleurs. Ça va faire rire Fredo, ça. Non, je ne la lirai pas, celle-là, Fredo. Bonsoir, Fanny. Bienvenue, ça fait plaisir de revoir tout le monde le jeudi soir ici, j'espère que tout va bien. Donc les romans d'été par excellence, tu vois. D'été par excellence. Et sur la plage, et tu n'es plus sur la plage. D'un seul coup, tu n'es plus sur la plage. Tu es dans les rues de Paris, tu marches sur les pavés, tu entends les cliquetis des chevaux et les cochers. Oh, formidable. Les baïonnettes. Ça ferait un bon film. Enfin, plusieurs bons films. Ah oh, bah oui. Avec un petit budget quand même. Ou peut-être. Une belle série télé. Oui, une belle... Allez. À la canale, un peu ambitieuse, si on, avec de si l'argent. Si on nous entend. Avec de l'argent. Avec de l'argent, il y a moyen. Allez, on passe au rayon comics. Qu'est-ce que tu en Tout penses? Tout à fait. Comme je vous avais fait la promesse, on va avoir des lectures très, très différentes. Et là, on va partir sur de la BD américaine, ce qu'on appelle la BD indépendante américaine. Donc là, on n'est pas du tout sur du super-héros. On est sur de la bonne vieille BD à l'ancienne, j'allais dire pas du tout, parce que justement, le sujet de Department of Truth, puisque c'est de Department of Truth dont il s'agit, il est juste complètement dingue. Vous qui rentrez ici, bienvenue dans la paranoïa, la manipulation et la propagande. Voilà la promesse de Department of Truth, qui, si on le traduit bêtement, hein, veut dire département de la vérité. En fait, l'idée, elle est géniale. C'est ça qui m'a accroché dès le début. Le pitch, il est fou. La vérité, en fait, l'auteur, hein, qui s'appelle James Tynion-Ford, part du principe que la vérité, c'est quelque chose de malléable, c'est quelque chose de subjectif. Et en fait, plus une théorie trouve d'adeptes, et plus elle influe sur la vie réelle, elle devient vraie. C'est ça que le pitch est fou.
Par exemple, de plus en plus de gens de nos jours commencent à croire que la Terre est plate. Eh bien, si demain, une majorité de gens sur Terre pensent que la Terre est plate, la Terre devient plate. Et c'est ça le truc qui est extraordinaire. Et évidemment, le Department of Truth, il est là pour polisser et faire en sorte que ce genre de choses n'arrive pas. Et c'est une agence gouvernementale d'État qui se retrouve confrontée, évidemment. Hein, il y a toujours, quand il y a une agence, eh bien, il y a une seconde agence. Et les deux, évidemment, vont lutter. C'est tout l'enjeu de ce Department of Truth. Elles vont lutter toutes les deux pour donner leur vérité. Et en partant du principe que plus ils vont communiquer dessus, plus ils vont utiliser les réseaux sociaux et utiliser la viralité, plus leurs théories vont devenir vraies. Donc, c'est ça qui est génial. Évidemment, pour garder le contrôle, le Department of Truth va essayer d'orienter la vérité, de disqualifier les contre-vérités. Alors, ce qu'on voit d'ailleurs, hein, c'est ça qui est fou, c'est que ce truc, il est malade. Tu dis ça, tu as l'impression d'être dans la vraie vie. Et désorienter, évidemment, pour le bien commun. Mais comme on le sait, le bien commun, c'est toujours très relatif. Donc, tout y passe dans ces théories. Il va nous parler de la Terre plate, évidemment, je viens de vous le dire. Il va nous parler des cultes sataniques et de QAnon. Il va nous parler du 11 septembre, hein, parce que pareil, c'est l'objet de complots fous. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas qu'il démonte, mais en tout cas, il joue avec les théories des complots et les complotistes pour montrer jusqu'où ça peut aller. Donc, évidemment, il y a l'élément déclencheur, c'est l'assassinat de Kennedy, hein, dont on ne sait toujours pas vraiment qui l'a assassiné. Donc, c'est pareil, ça part dans des théories de fous. L'homme qui atterrit sur la Lune, plein de gens pensent que c'est un fake, que c'était réalisé, que c'est un film qui a été réalisé. Et donc, tu vois Kubrick là-dedans, parce que pour beaucoup d'Américains, c'est Kubrick qui aurait réalisé le film de l'alunissage de 1969. Et évidemment, tu vas voir toutes les agences qui vont utiliser la propagande, hein, pour influencer le public et accréditer les thèses selon leurs propres intérêts. Donc vraiment, c'est un sujet qui est dans l'air du temps. C'est sorti en français, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Et Fred, nous le dit. Hein, c'est single en anglais. Le mais tome 1, au bord du monde, dit... Comment dit Alors, le tome 1, c'est au bord du monde, nous dit Fred Oquette de Couve, ouais. Aux éditions Urban Comics. Exactement, c'est chez Urban, donc c'est édité par nos amis de chez Urban. Et eux, ils éditent ce qu'on appelle les trade paperback, donc en volume relié, carrément 5 numéros par 5 numéros. Hein. Donc, c'est juste... En fait, l'auteur, c'est un sujet en or qui tient là, il revisite tout le 20e et le 21e siècle sous ce prisme. Et si on faisait un flux de la vérité, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ce qu'on nous raconte? Et donc, c'est une odyssée fabuleuse. Hein, et en plus, c'est dessiné de... Je vais vous montrer quelques dessins, mais c'est dessiné de main de maître. Hein. On voit les dessins, tu vois, je ne sais pas de quel côté le mettre à chaque fois. Là, ici, voilà, c'est parfait, de ce côté-là. Oui. Voilà. Donc, c'est des dessins qui sont très photoréalistes. On dirait presque des petites peintures. C'est très sombre, comme vous le voyez. Donc, ça ajoute à ce côté un petit peu oppressant, parce que c'est ça, hein. Côté un petit peu oppressant, je ne sais pas si on voit bien. Le côté complot, c'est noir, mais en même temps, c'est sublime, hein. Et donc, il y a la fameuse aussi dame en rouge qui, tout au long de la série, arrive un petit peu en fil rouge. C'est vraiment quelque chose de prodigieux. Voilà. Et quand tu commences à rentrer là-dedans et t'achètes le premier volume, tu ne lâches pas. Tu veux savoir la suite parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment on nous manipule. Vraiment, c'est une plongée extraordinaire sur le complotisme et les théories des complots. Je trouve que c'est super malin, hein, cette idée de dire plus des gens croient en quelque chose, plus elles arrivent. Donc, c'est dans un monde où, effectivement, si les gens pensent que la Terre est plate, la Terre devient plate. Elle n'est plus ronde. C'est une chouette porte d'entrée pour des personnes qui ne lisent pas actuellement de comics et qui se diraient, tiens, je vais essayer de m'y mettre. Où là, on reconnaît Ronald Reagan. Et ce qui est dingue, mais je ne peux pas vous révéler, c'est qui est à la tête du Department of Truth. C'est un personnage historique très célèbre, lié à, ça je peux vous le dire, à JFK. Et c'est lui qui dirige en sous-main cette agence, parce que lui-même a été victime, ou pas, d'un complot. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est une mise en abîme de notre société, mm-hmm. de nos croyances, d'Internet, de la viralité, de ce que les gens se racontent, de ce que les gens ont envie de croire. Et c'est vrai qu'on
plus la, en tout cas pour les mondes occidentaux, plus le poids de la religion baisse, plus des théories de complot, les reptiliens, les QAnon, bah, émergent. Hein. Parce qu'on a toujours besoin de croire à quelque chose, finalement, même si c'est des théories très folles. Et au passage, bonsoir, Oli Oli, salut Émilie, un roman, bienvenue à tout le monde. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Bienvenue, j'espère que votre journée se passe bien, la soirée, elle va bien se passer, ça c'est certain. Question par rapport à ça, est-ce que c'est très américain? Parce que dans les exemples que tu donnais, on pose la question, tiens, est-ce qu'on est vraiment sur des... Ah, un segment bah un peu en fait, américain mais... En fait, oui, c'est très américain, mais comme X-Files est très américain et quasiment tout le monde a regardé X-Files, en fait, je suis en train de me dire que c'est le bon comparatif, c'est X-Files, mais au lieu que ce soit les extraterrestres qui est tout le fil rouge de X-Files, là, on est sur la théorie du complot. Mm-hmm. Et donc, comme je disais, tout comme X-Files, hein, le personnage principal, il travaille pour, à la base pour le FBI avant d'être recruté par le Department of Truth. Et il travaille déjà, c'est un thésard hein, qui travaille sur les, justement sur les thèses conspirationnistes. Et il est recruté par ce Department of Truth parce que, petit mystère, dans sa jeunesse à lui, dans son enfance, il a été l'instigateur, évidemment à son insu, hein, en tout cas il a été victime d'un des plus grands complots du XXe siècle. Eh bien, ça voilà. m'a donné c'est envie, très accessible. Tout ça. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Parce que si on parle de complot, il y a de quoi faire. Oh, je okay, vois oui. que le temps avance. Tu avais aussi, bah, c'est le classique quand tu viens, une pépite. Eh oui, la dernière fois, je t'avais parlé de l'homme D, qui était la pépite dont j'avais envie de vous parler. Et on va rester évidemment sur les pépites. Hein. Il n'y a pas de raison. Et je me suis dit, voilà, le Oldies, je le montre. Ah bah tu le montres aussi, c'est encore mieux, parce que comme tu le constates, je ne sais jamais où placer les livres. Mais c'est un jeu, en fait. Les gens se demandent où tu vas mettre le livre, mais du coup... Voilà, non, donc c'est plutôt par là. Tu vois, je suis hyper réactif et attentif à ce que tu dis. Mais je vois bien. Alors là, pareil, hein, c'est un Oldies, mais alors c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Peut-être que certains dans le chat l'ont déjà lu, mais tous ceux qui l'ont lu, l'ont placé comme un de leurs romans cultes forever. Hein. C'est un roman qui n'a jamais laissé indifférent ses lecteurs. Parce que pareil, hein, on parlait de pitch fou pour Department of Truth. Et là, bah, le pitch, il est pareil, il est super. En fait, l'action démarre le 18 octobre 1988. Le personnage principal, Jeff Winston, qui est âgé de 43 ans, est au téléphone avec sa femme, en train de parler, il est à son bureau. Et il se dit, attends, ma vie professionnelle ne m'épanouit pas, je m'emmerde au boulot. Finalement mon mariage avec ma femme c'est une catastrophe, ça ne fonctionne pas, et il est avec sa femme hein, au téléphone hein. Et sa femme lui dit il faudrait qu'on change des choses dans notre vie, il faudrait, et au moment où elle allait lui dire il faudrait, paf, il est victime d'une crise cardiaque et il meurt. Donc là on est sur les 5 premières pages. Alors on pourrait se dire bah, on ferme le bouquin, le mec il est mort, c'est fini. Et ben non, parce qu'il se réveille à 18 ans en 1963 alors qu'il est dans sa chambre d'étudiant. Et du coup, il est dans le passé, et il va recommencer à vivre sa vie à partir de 18 ans, mais avec tous les souvenirs qu'il avait emmagasinés pendant ses 43 premières années. Donc, c'est génial, c'est-à-dire que tu repars à 18 ans, tu n'as pas rêvé de ça, tu repars à 18 ans avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, et tu revis ta vie. Donc sa première vie, comme vous l'avez compris, bah, c'était plutôt un échec, donc il va essayer de s'en inventer une autre. Et l'avantage que tu as, quand tu reviens 40 ans avant, bah c'est que tu connais tous les derbys sportifs, donc tous les résultats, donc tu vas pouvoir parier. Tu connais, tu sais qu'IBM et Apple, si tu achètes les actions au début, tu vas devenir multimillionnaire. Et du coup, eh ben, c'est ce qu'il fait. Donc, il joue, d'abord, il commence avec une petite somme à parier et puis il devient l'homme le plus riche et quasiment le plus puissant du monde. Donc, mais malheureusement, il trouve pas toujours le bonheur, parce qu'être riche, ça ne veut pas toujours dire le bonheur. Et il pense que sa deuxième vie est mieux, mais que ça pourrait être encore mieux. Et puis, il arrive les 43 ans, et à 43 ans, crise cardiaque, il meurt. Et il se retrouve projeté en 1963, à 18 ans, dans sa chambre d'étudiant. Et donc, c'est évidemment une succession de vies qu'on va découvrir. Comment changer sa vie, comment orienter sa vie, comment je pourrais faire pour qu'elle soit mieux. Et à chaque fois, par contre, ça devient un petit peu fatigant peut-être au bout d'un moment, parce qu'à chaque fois, tu repars du début.
mais tu repars de moins en moins du début. Donc, ton compte à rebours, finalement, jusqu'à tes 43 ans, parce que c'est ça la petite astuce, d'abord, il revient le même jour, puis quelques heures plus tard, puis quelques jours plus tard, puis, je ne vais pas tout vous raconter, évidemment. Mais du coup, à chaque fois, il essaye de revivre sa vie différemment. Et tu vois, dans sa troisième vie, il va apporter du bonheur aux gens. Donc là, son ambition n'est pas d'être riche, mais c'est de se dire comment je peux contribuer à apporter du bonheur. Et c'est ça qui est intéressant parce que chaque ligne temporelle, en fait, est une vraie histoire différente. On ne revit pas la même chose à chaque fois. Alors évidemment, hein, ce sujet de revivre sa vie, bon, lui, il a écrit en 1986, hein, mais depuis, on a eu des films, on a eu des livres, on a eu des BD, donc ce sujet, mais lui, ça a été un des premiers à le faire. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, le prisme de science-fiction, parce que c'est un peu de la science-fiction, il est très lointain, hein. Ici, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de Deus Ex Machina, tu vois, c'est, il se réveille et il revit sa vie. Et du coup, ce qui est intéressant là-dessus, c'est de se dire, est-ce qu'on serait réellement plus heureux, parce que c'est, en fait, c'est presque philosophique ce roman, hein. Ça t'amène à te poser plein de questions. Qu'est-ce que je ferais moi si demain je revenais à 18 ans? On se dit tout ce serait super, mais est-ce que ce serait vraiment super? Et c'est ça qui est intéressant, c'est tous les questionnements qu'il va se poser. Est-ce qu'on serait réellement plus heureux finalement si on avait la possibilité de recommencer sa vie à zéro? Est-ce que ce sera forcément mieux? Tu vois, c'est les genres de questions qu'on se pose. Et du coup, une chose en entraîne l'autre, on se pose même la question. Est-ce que finalement, avant de penser à une autre vie, à refaire ma vie, on ne devrait pas tout faire pour arranger celle qu'on vit actuellement, pour faire en sorte que ce soit sa meilleure vie, en fait? Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est un roman qui est super ambitieux, non pas en termes de science-fiction, mais en termes d'émotion. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une mise en abîme de l'âme humaine. On est sur la science-fiction, mais à regard d'homme. C'est ça qui est super. Et surtout, avant d'être un roman de science-fiction, et je pense que c'est ça que j'ai adoré dans Ripley, c'est une formidable histoire d'amour, parce que je ne vous en ai pas parlé pour l'instant, sinon je spoilerai trop. Mais Ripley, en fait, c'est une formidable et une magnifique histoire d'amour. Et c'est ça qui est fou. Voilà. Et je confirme, voilà, alors, on a les références qu'on a. Donc Seb nous parle de Biff Tannen dans Retour vers le futur. Moi, j'étais sur Le jour de la marmotte. Oui, c'est Est-ce vrai. Que vous connaissez Le jour de la marmotte? Bon, le film Un jour sans fin en France. Voilà, excellent. Donc, on est sur ça. Fred Okadoku nous dit c'est un livre très émouvant, je suis d'accord. Je vous parlais la semaine dernière des livres qui me font oublier que je suis auteur et que j'analyse un peu comment c'est fait. Ripley fait partie de ces livres qui sont juste impeccables, où j'ai juste profité, je ne sais pas vous dire comment ça a été fait, et je m'en moquais complètement parce que j'étais juste en train de profiter. Et c'est marrant parce que, comme quoi t'as tapé juste hein, ce soir. Nous rêvions juste de liberté, m'a fait exactement la même chose. Oui. Alors la trilogie, j'ai pas encore eu l'occasion, mais ce sont des livres comme ça qui font oublier qu'on est peut-être en train de devoir travailler, et c'est en poche. Et d'ailleurs, et Henri Leuvenbruck, ceux qui préfèrent en brochet peuvent les acheter en brochet, mais on les trouve aussi maintenant en poche. Voilà, des bonnes nouvelles, juste avant l'été, des poches. Et voilà. C'est on emmène ça dans sa valise, on se régale. Eh bien, écoute, ça en fait de très très bons conseils. Il nous reste 30 secondes, même pas, pour un petit, mais ça passe vite hein, quand on s'amuse. Un petit mot de la fin, je vais évidemment te le laisser avant de te souhaiter une très bonne soirée dans la boîte avec nous. As-tu envie de nous dire juste avant l'été? Eh bien, passez de bonnes vacances, choisissez les bons livres surtout, et régalez-vous, franchement, passez de très très bonnes vacances à tous, et puis bah, on se retrouve à la rentrée. Et salut Géraldine, bienvenue, mais oui, on va voir, déjà on va essayer de passer la soirée sans orage, sans... Il faisait chaud hein, aujourd'hui. Très chaud, et quand tu parles il fait encore plus chaud. C'est vrai, mais t'as pas utilisé l'accessoire finalement? Non, pour pas faire très de bruit. Peu. Oh, ça fait pas tant de bruit que ça, tu sais. Ton bien-être avant tout, c'est important. Merci infiniment pour Merci ta présence. Merci à toi pour l'accueil. Et puis à très très bientôt. Avec à très très bientôt plaisir, pour de nouvelles... Au revoir à tous et merci pour votre écoute.